Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Kato TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Le pape veut favoriser l'écologie intégrale à l'université. Dans le magistère local, récollection des prêtres de l'archidiocèse de Libreville. C'était le mardi 5 octobre dernier. Dans le magistère local toujours, l'Église catholique au Gabon célèbre le mois du rosaire. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au Vatican, le pape veut favoriser l'écologie intégrale à l'université. C'était le jeudi 7 octobre 2021 que le pape François, en présence du patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, et la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, a inauguré un nouveau cycle d'études de l'université pontificale du Latran à Rome dédié aux thématiques écologiques et environnementales. Dans son discours, le souverain pontife a estimé que la complexité de la crise écologique exigeait responsabilité, caractère concret et compétences. Nouvelle d'Église, les Journées mondiales de Lisbonne se tiendront en 2023. La date des Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront au Portugal en 2023 a été annoncée du 1er au 6 août 2023. Pour une meilleure préparation de ces Journées mondiales de la jeunesse, plus de 400 volontaires sont déjà à pied d'œuvre et par là, même les 21 diocèses du Portugal se préparent activement. Partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos el sí. Queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre. Llamados a ser como Cristo Jesús, todo dar y estar. Dispuestos al sí, como hizo la Dans l'archidiocèse de Libreville, une nouvelle année pastorale a été lancée par Mgr Jean-Patrick Ibaba. C'était le mardi 5 octobre 2021 au foyer de charité de Libreville. Le métropolitain a invité tous les agents pastoraux à être des hommes de l'écoute. Aussi s'exprimait-il, avec le prochain synode, une proximité doit se traduire par l'écoute. Après avoir été à l'écoute, nous sommes invités au travail et à œuvrer ensemble. Nous suivons ici la bénédiction donnée aux ouvriers apostoliques. En leur cœur, ton Esprit Saint, pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta Sainte Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez. Installation des curés de paroisse. Après l'installation des curés des paroisses Saint-Joseph, Notre-Dame de Logoué et la présentation de l'administrateur de la paroisse Sainte-Françoise-Xavier à Lambaréné, Mgr Jean-Patrick Ibaba procédera aux installations des curés des paroisses Saint-Augustin du Cap, Abbé Dimitri Eyatebe le samedi 9 octobre 2021 et le curé de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde, Mgr Alexis Owanwiri, vicaire épiscopal le dimanche 10 octobre 2021 à 10h. Vie et foi. L'Église catholique célèbre le mois du rosaire. Le rosaire, l'objet, est un grand chapelet composé d'une croix suivie de grains ronds, gros et petits, enfilés sur une corde.
Il permet aux catholiques de méditer des épisodes de la vie joyeuse, lumineuse, douloureuse et glorieuse de Jésus. Les mystères. Un Ave Maria est récité sur les petits grains et la prière de notre Père dans les gros grains. À la fin de chaque dizaine, l'on récite un Gloire au Père. Durant le mois d'octobre, l'Église encourage ses fils et filles à réciter le chapelet. Il est dit aussi bien dans les paroisses, en communauté, en famille, dans les sanctuaires, voire dans les grottes mariales. Ici, à la chapelle de la Maison catholique des médias, à 15h. En ce vendredi, nous méditons les mystères douloureux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il est bon de savoir que les samedis du temps ordinaire sont dédiés à la très sainte Vierge Marie. Psaume du jour. Aujourd'hui, nous avons célébré Sainte Pélagie, Vierge et Martyre d'Antioche. En 304, alors qu'elle n'avait que 15 ans, selon la légende, Pélagie se jeta du haut de sa maison alors qu'on venait l'arrêter comme chrétienne ou pour échapper à un magistrat libyen. Cette sainte est probablement le doublet d'une sainte Marguerite d'Antioche. Chers téléspectateurs de Catholique du Gabon, c'est ainsi se referme notre édition d'information de ce vendredi 8 octobre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.